Les débiles MDR. N'écoute pas Osef. Ah, mais ça me fait rire, je me mets à leur place. Qu'est-ce que ça me ferait rire de voir des mecs aussi cons. Doig, mon petit pote, bienvenue. Bienvenue dans cette partie 2. Je me souviens plus comment faut procéder, hein. Mais Mais trop nul ton intro là, c'est ça ton intro là. Fais-nous un truc, t'es youtubeur ou pas youtubeur là? Eh bien bonjour mes petits amis, comment vous allez? Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on est de retour sur We Were Here Together avec Doig V, le Doigos. Doigos, comment ça va? Salut, bah ça va très très bien, mon cerveau est prêt et cool, alors on est chaud, cool cool. Là on est dans une pièce, du coup il y a des escaliers. Toi, y'a quoi de ton côté toi? Toi, y'a quoi de ton côté? Panneau, non, je rigole. Non mais what the fuck, y'a quoi? Y'a quoi de ton côté? Y'a rien, attends. Y'a rien, what the fuck, mec? Mais calme-toi, qu'est-ce qu'il a? Juste, Kikot, j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo. C'est vraiment, j'ai travaillé énormément, donc mettez un j'aime s'il vous plaît et continuez de dire du bien de moi autour de vous. Parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur cette vidéo. What the fuck? What the fuck, c'est quoi cet objet? C'est quoi cet objet? What the fuck, mec? Je suis fatigué, excusez-moi. Putain, à chaque fois qu'on joue à ce jeu, mec, on est KO technique et on va se faire insulter parce qu'on est débile. Petit disclaimer pour tout le monde, nous ne voyons pas les deux écrans, bordel. Chacun a son écran, c'est plus facile à vous de comprendre parce que vous avez les deux points de vue. Il y a quoi devant moi toi? Moi, je suis dans une bibliothèque géante avec un rez-de-chaussée et un étage, une sorte de mezzanine. Et en gros, le seul truc que je peux faire, c'est récupérer des sortes de globes terrestres un peu en décoration et les poser à d'autres endroits qui sont illuminés. À part ça, et pouvoir bouger des tableaux, je peux rien faire d'autre pour l'instant. Des tableaux, j'ai des tableaux. Tes tableaux, ils sont au mur ou pas? Parce que ce que j'allais dire, oui, c'est qu'il y a un tableau par terre. Moi aussi, j'ai un tableau qui est un peu déposé. Mais je peux pas interagir avec, et sinon j'ai un tableau au mur sur lequel je peux interagir. Moi j'ai deux tableaux par terre. J'en ai un, c'est une mouette avec un bec de chaque côté de son visage. Ouais. Et une coquille d'escargot sur le dos, ouais. Ouais. Il est contre un mur ou pas toi? Moi il est contre un mur, ouais. Moi il est pas contre un mur, donc peut-être que le mien je dois le mettre à un slot dans le mur qui correspond au slot où il y a le tir. Ah. Alors du coup il est où? Sur un mur. En partant d'en bas, le troisième au niveau des dans l'escalier carrément. Ok, et bah moi dans ce tableau, le troisième, il y a une mouette avec une coquille d'escargot, mais elle a pas deux becs. Toi, moi celle-là je l'ai mais par terre. Celle-là je l'ai mais par terre. Mais je peux pas le prendre moi. J'ai mis deux têtes au mur. Ouais voilà, ok, il y a des slots pour les tableaux par terre. Il y a un deuxième tableau sur ta gauche quand tu continues. Moi il y a marqué espion dessus. Et il y a un vieux monsieur avec une barbe et une capuche. Il y a marqué quoi sur le tien? ESP et à la ligne IAN, espion. Non bah je l'ai pas. Ok. Le tableau tout en bas des marches, toi c'est quoi? Une sorte de kangourou avec des cornes, mais une tête de lion et une carapace d'escargot. Moi, il est sur une seule patte et il a de son cul qui sort une tête, un long cou avec au bout un oiseau comme un flamant rose, sauf qu'il est marron. Non. Voilà. Bah alors lui, pour moi, il est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le cinquième et il est sur la mezzanine justement tout en haut. C'est limite le dernier de la rangée de l'escalier, tu vois. Donc c'est le cinquième. Ok, bon. Et du coup, je vois le tableau dont tu me parlais, Felindra, tête de lion. Lui, c'est le premier de l'escalier, donc tout en bas. Ok, et du coup, l'avant-dernier, genre au moment où t'arrives en démarche, il y a quoi dedans? Bah lui, c'est un tableau que je peux bouger, en fait j'ai 4 cases et en gros c'est des fleurs et là je les aligne, tu vois, enfin je peux juste faire tourner les cases. Le deuxième de l'escalier, moi j'ai comme toi mais je peux pas toucher, je peux rien bouger dedans. Ok, donc. Bah tu dois me dire, en gros moi il est coupé en 4 et en gros je peux faire tourner les 4 en 4 par égal. Ok, donc le quart en haut à gauche du tableau, dans ce quart en bas à droite ça doit être le tournesol. C'est bon. Le quart en haut à droite, il faut que le tournesol soit bas gauche et qu'il soit collé du coup à l'autre tournesol. C'est good. Ok, et le quart en bas à droite, il faut que le tournesol soit bas droite. C'est bon, pour moi là il est bon. Ok, il y en a un autre maintenant quand tu montes les marches qui est... D'ailleurs il y a un autre tableau, oui, à cet endroit là juste à côté. Ton tableau il y a quoi dessus? Alors ouais, lui il va être compliqué parce que tout se ressemble. Putain mais tout se ressemble quoi. Je vais te donner un indice, les 4 quarts ils se fusionnent pour donner le même truc au milieu. Et ce même truc c'est une plante qui est verte et l'intérieur est jaune. Donc là je fais juste en sorte que celui là, les 4 coins sont au centre. Soit au milieu et forme... Ouais. Ok. Eh ben GG à toi, ça s'est ouvert. J'ai eu un livre. J'ai eu un livre avec marqué E dessus, et toi? Exactement le même livre. Moi j'ai plein d'objets dans ma main que je dois placer à des endroits spécifiques dans ma pièce. Et ça va falloir qu'on y aille ensemble. T'as quoi comme objet par exemple? Oh fuck, le truc qui fait le temps là. Oh mon dieu, dans Fort Boyard là, quand tu rentres dans la pièce, tu le tournes là, le sablier. Un sablier, pardon, excuse-moi, je me dis ça pour le sablier. J'ai un sablier, j'ai une petite map monde et j'ai tellement d'emplacements possibles que je sais pas où les foutre quoi. Ok, et eh ben c'est à moi de te dire. C'est bon, j'ai trouvé le sablier. Tu vois la cheminée? Ouais. Tu vois, il y a une pile de bouquins juste à gauche de la cheminée. Ok, c'est bon. Pas celle qui est contre le mur, celle qui est devant celle contre le mur, je peux pas poser dessus. C'est quoi ton autre objet? Je vais essayer de le trouver. J'ai une map monde, mais petite, tu vois, une petite map monde dorée. Et en gros, ok, bah, je la vois, c'est bon, j'ai. Galit, tu montes à l'étage et tu vois, il y a une étagère qui fait l'angle là. Oui, et j'ai deux emplacements. Et ben, tu la mets dans tout à droite en bas. À côté des bocaux là. Exactement, des bocaux, ouais, exactement. Alors est-ce que ça t'a fait un truc ou alors est-ce que j'ai oublié un objet? Parce que moi j'ai placé mes deux objets, mais je crois que j'en ai peut-être plus. Ah, j'ai un coffre aussi, excuse-moi. Tu vois, comme si c'était un dé, sauf qu'en fait toutes les faces sont similaires et c'est des vis. Oh, et j'avais un autre objet en plus.
Une boîte à musique là. Ça je l'ai. Tu vas devant la cheminée et tu le mets à gauche du tableau qui est posé sur la cheminée, sur la gauche. Ça c'est fait, ça je pense c'est 100% bon, on peut pas se tromper. Donc là faut juste que tu arrives à comprendre mon cube. Ouais. Mais c'est un cube en bois avec des renforcements en métal. Ok, excuse-moi, c'est totalement ma faute, mec. Je suis désolé. Tu vas devant le bureau, tu sais, le bureau qui est pas très loin de l'horloge là. Et il est à droite du bureau vers toi. Le coin. Alors j'ai entendu un bruit. Ouais, j'ai entendu un bruit aussi. Ah, la boîte à l'étage. La boîte à l'étage devant les fleurs, elle s'est ouverte. J'ai S et E, toi aussi. Hein. Et il y aura ensuite un livre à choper dans l'horloge. Moi, j'ai un livre posé sur une table que je t'ai pas dit depuis tout à l'heure. Et en gros, c'est un livre ouvert hein, qui nous explique des trucs. Qu'est-ce qu'il nous explique? Je crois qu'il nous explique comment ouvrir le truc que j'ai sur le bureau. Mais j'arrive pas à comprendre. Toi, que j'ai un tableau qui a. C'est sûr, gros, que ce tableau espion, dis-moi. Tu l'as, je vois pas pourquoi il serait là. Moi, il y a pas marqué espion. En dessous, il y a un truc qui marque Vader Godevaer. Attends. Je crois qu'il est. J'entends ouais, un truc. Ça bouge. Je l'ai mis. J'ai cherché le spot à la mano et j'ai trouvé. Oh, mais t'avais ouvert un autre truc. J'ai un troisième livre, un N en haut. Quand tu montes, j'ai eu un tableau. Le tableau kangourou là. Oui, bien joué. Je l'ai. Donc là, faut qu'on comprenne le fameux livre. Hein. Là, ce qui nous manque, c'est le truc du bouquin. Hein. Moi, là, j'ai allumé tous les cristaux qu'il y a dans ma pièce. Tu sais, j'ai cliqué dessus, ça l'a allumé. Ah non, attends, il en manque un. C'est bon. Oh, il y a eu un bruit. T'as, fait quoi t'as vu? Bah, ouais. J'ai allumé tous les cristaux qu'il y avait dans ma pièce. Et là, ils sont éteints. Bah, refais. Et toi, en fait. Ah, ok, ça marche plus. Ouais, c'est comme si tu faisais une erreur. Mais en tout cas, c'est sur le bon. T'étais au bon endroit. Ah, je peux placer les livres derrière la cheminée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, faut marquer ce qu'il y a sur ton tableau. Moi, il me manque 3 livres. Il me manque 3 livres à placer. Moi, je peux interagir avec une bougie. Ah, ouais, une bougie. Ah, les bougies, j'en ai. La bougie, c'est une bougie où il y a 7 trucs de cire. Elle est au rez-de-chaussée. Et elle est devant le trou où tu vois la trappe. En partant de la gauche, on fait ça. Les deux premiers, tu les allumes. Ok. Les deux suivants, tu laisses éteints. Ok. Celui juste après, tu l'allumes. Ok. Éteint. Allumé. Allez, bien ouais, j'ai un nouveau livre. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Fais des tours de pièces encore. Trouve-moi des nouveaux trucs. T'es un monstre. Mais l'horloge, ce sera la fin. Normal, on a fini l'horloge qui s'ouvre. Le livre. Oh, il s'est allumé, j'ai spammé, il s'est allumé. Moi, la boule, elle s'allume, elle s'éteint. Je comprends pas. Est-ce que ça peut t'induire quelque chose quand elle s'allume? Attends. Fais rien. Est-ce que tu peux juste me dire quand t'es devant le suivant sans appuyer dessus, s'il te plaît? Je suis devant le suivant. Il se trouve juste en bas des marches sur la table basse sur laquelle il y a le livre. Spam-le. Stop. C'est bon. En gros, quand t'es devant le bon truc, moi ça s'allume et je peux te dire c'est lui. Donc maintenant tu vas sur l'autre et je te dirai quand ça s'allume. Lui, il est bon là? Là il vient de s'allumer, donc vas-y appuie. Mais non, mais c'est pas possible ma théorie là, putain. Non mais c'est ça, c'est sûr, c'est ça, t'as raison. Ça lui clignote pas pareil. Ouais, lui il clignote bien. Lui il clignote en mode appuie-moi dessus. Voilà. C'est bon. Putain, je vais me tirer une balle. Lui clignote vénère. Attends. Non, ne fais plus rien. Attends. Remets-toi devant un mec. Là, je suis devant le 1. Pour moi, lui, il clignote, mais comme jamais il a clignoté, quoi. J'ai compris. Il faut que je clique au moment où ton truc est allumé sur ta POV. Impossible. Donc, je dois te dire quand ça clignote, t'es prêt? Si. Je te fais un tempo. Mais il y a un délai Discord, c'est mort. Fais-moi un tempo. Tac. Bien, ouais. Ok, je crois que c'est ça. Les deux autres, on les a eu random. Les gens disent que ça a rien à voir. Mais si, pas. Le lit nous dit quand c'est éteint ne touche pas et quand c'est allumé touche. Les débiles MDR. N'écoute pas Osef, n'écoute pas les gens. Moi je vais ça. Ah mais ça me fait rire, je me mets à leur place, qu'est-ce que ça me ferait rire devant des mecs aussi cons. Je ne vous vois pas. T'as dû dire tac. M'en fous, je veux pas être jugé, je veux qu'on s'en sorte de cette pièce. Le dernier, tu me refais tac ou pas? Tac. Allez, yes, c'est bon. Allez, à tous ceux qui critiquaient là. Les gens me disent qu'en vrai, plus ça clignote, plus ça veut dire que j'étais près de celui qu'il faut allumer, c'est tout. Et je pense que c'est ça. Mais j'ai adoré t'entendre faire tac. Ok, il manque plus que le A. Dernière épreuve, mon ami. Pour qui moi, est c'est dans l'horloge. Zach, j'ai des trucs à faire fonctionner. Putain, je l'avais pas vu, c'est le seul truc, j'avoue. Oh là là, mais quand je touche les flèches, ça fait changer le. Ça bouge la pendule. Wow, le truc de ouf. Il faut que nos horloges soient alignées, je pense, et qu'elles fassent le même, qu'elles aient la même vitesse. Donc tu vas devoir me refaire un tac. C'est toi qui dois me faire un tac, parce que toi elle ne change pas. Ok, je te fais un tac. Vas-y. Tac. Là pour moi on est pareil. Hein. Donc là j'appuie. Tac. Vas-y. Oh l'échec. Il y a trois trucs à faire. Il y a les poids, il y a les tacs et il y a le coucou. Mon premier mélangeur en gros c'est un bruit. C'est quel est le bruit de ton horloge? Est-ce que tu arriveras à me le faire comprendre? Parce qu'en gros, je peux choisir le bruit de mon tac. Est-ce que tu arriveras à me faire comprendre ton bruit? Est-ce que tu pourrais le faire vocalement? Attends, parle pas, je me concentre. Voilà, je viens de l'imiter. T'as reconnu ou pas? Ouais, bien sûr, c'est bon. Le deuxième truc, du coup, change le rythme. Donc vas-y, refais-moi là ton tac de tout à l'heure, pardon. C'est tac. Ouais, je pense que je suis bon. C'est soit lui, soit celui d'avant. Ah, mais mon troisième, c'est le bruit du coucou. C'est le bruit du coucou qu'on doit choisir après. Ok, attends, je vais te limiter, bouge pas. C'est bon, lui.
Il parle pendant le bruit, pendant que j'imite le coucou. C'est bon, lui, le coucou, je l'ai. Mais fais les poids et tout est réglé en fait, je pense, gros. Non, je pense que c'est du fake les poids. Vraiment, c'est du fake. Non, Dwight, non, c'est bon, je crois que c'est bon, regarde. Non, écoute-moi, frérot. Non, bon. Je pense que c'est le rythme qui va pas. Mais c'est les poids. Mais je comprends pas ces poids. Tu les mets au bon endroit, c'est tout. Ils sont calés sur et le timing et le bruit du coucou et le bruit des tacs. Ok, vas-y, go sur les poids, go sur les poids. Donc celui du milieu doit être tout en bas, on est d'accord? Non, il est pas tout en bas, il est plus bas que les deux autres, mais il est pas tout en bas. La pendule, tu vois le rond? Le haut du rond est presque à la moitié. C'est bon, je quand l'ai. Quand ils sont bien parallèles. Lui, j'ai okay le, pour le milieu, c'est bon. Celui de droite, quand le rond est sur la droite, c'est quand la pendule là va vers la droite. Je vois toujours en entier. Ok, donc ça, c'est bon. Et celui de gauche, elle couvre à peu près un cinquième ou un quart. Mais là, ça bouge, là? Mais pourquoi lui, il a bougé celui de droite? Je vais me tuer. Mais pourquoi? Attends, mais je comprends plus rien. En fait, je bouge un truc. Ça bouge aléatoirement, en fait. Je peux pas deviner quelle combinaison il faut faire pour que les poids se mettent alignés, de manière alignée. Le parce premier que levier, c'est les poids. Le second manette, c'est la je sais pas quoi. Le troisième, c'est je sais pas quoi. Ah, tu penses que juste le premier choisit la... Ah... C'est peut-être ma faute, hein. Peut-être que je suis mauvais, frérot. Donc pour moi le premier change les poids, ça oui. Mais le premier deuxième, poids, deuxième pendule, vitesse et troisième coucou. Voilà, bah ça me va. Mais du coup le poids est bon, le premier est bon. Maintenant le 2 et le 3 faut quand même qu'on le fasse, tu vois ce que je veux dire? Mais attends, mais tu crois... Attends, je vais niquer. Attends, tu comprends que... Juste une question, tu comprends que maintenant que chaque bouton règle un truc différent? Qu'est-ce que tu faisais depuis le début? Je pensais que chaque bouton correspondait à un poids différent, tu vois. Le bouton 1 correspondait au poids 1. Alors qu'en fait, non, mon bouton 1 correspond aux 3 poids d'un coup. Bon, c'est pas grave. Maintenant que les poids sont alignés, je te refais le tac. Ouais, le tac, je pense que c'est bon. Mais le coucou, c'est pas le même que tout à l'heure? Le coucou, c'est. C'est. Est-ce que c'est. Non. Ou est-ce que c'est. Ouais. Avec un ch'ton pim pim? C'est le deuxième, c'est le deuxième. C'est ça, hein? Les gens me disent que c'est ton tac est trop lent. Je vais les fumer, les gens. Tac, 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 yeah tac, tac. Eh, oh. Hey, Dwag, je peux me permettre de m'offrir une liberté de te dire quelque chose? Hors vidéo? Non, t'as été nul sur la pendule! Nul! Voilà, ça va, gros? Ça va, et toi? Ouais. C'est bon, j'ai Népias, moi, Kémy, et toi, t'as Espien? Ouais. Oh. Oh. Oh, c'est tout ce mélodie. Oh, oh vas-y, oh non. Tu te rappelles l'histoire des tuyaux? Là je suis mort, les amis, je vous le dis, là je veux, faut qu'on soit bon pour celle-là. En vrai, j'adore faire durer le plaisir. Alors messieurs, dames, je vais vous dire une chose, moi et mon merveilleux Shiba Inu que voici, nous vous souhaitons une agréable nuit. Parce que je suis éclaté. Dwag, c'est notre prochain défi. On a tellement trop de QI, c'est un truc de ouf.